Créé en 2008 en tant qu'importateur sur le marché français de matériel dédié à la carrière recyclage de déchets de chantier, le groupe Garonne est devenu un constructeur 100% français. Il dispose de sa propre usine de fabrication de machines et d'installations à destination des petites entreprises comme des multinationales. Christophe Castaldo, mécanicien de métier, s'est lancé dans l'aventure. Le groupe est en plein développement avec ses 50 salariés dont 40 ont été embauchés l'an passé. Son siège est resté à Cazères, sa nouvelle usine se trouve à présent à Carbonne. Historiquement préparateur esthétique de véhicules pour les concessionnaires automobiles, Cineo a ouvert depuis février 2021 son propre centre de reconditionnement de véhicules d'occasion à Fenouillet. Entreprise d'insertion, elle continue de s'adresser aux concessionnaires en réalisant pour eux toute la mécanique, la préparation, la carrosserie, l'esthétique et même les photos avant la remise en vente. Elle se lance aussi dans l'accompagnement sur le nettoyage et la réparation de vélos avec une flotte de plus en plus importante. Spartacus Biomed est une start-up créée en 2015 pour porter sur le marché des brevets réalisés dans le cadre de recherches communes entre l'INSERM, le CNRS et l'université sur les maladies cardiovasculaires. Pas moins de 12 brevets ont été déposés à ce jour pour la spécificité cancer et cardiovasculaire par le groupe de recherche. Un des deux brevets en collaboration avec la région Occitanie s'intéresse à un biomarqueur d'insuffisance cardiaque difficilement décelé aux urgences. L'entreprise, dirigée par Fatima Smi, a en effet développé un test rapide pour les urgences sur l'insuffisance cardiaque.